Voilà, c'est la deuxième partie. C'est dans la presse cette semaine avec M. Picor qui arrive tout de suite et avec M. Pesmaï, nos deux confrères. On passe en revue un petit peu l'actualité politique à quelques semaines des élections municipales et communautaires. Et je vois que, Picor, vous avez, une fois de plus, vous êtes revenu sur l'affaire Jalton. Alors, c'est un feuilleton maintenant. Ben, ce n'est pas une fois de plus, c'est un feuilleton. Oui. Et comme oui. je considère que la presse dans son ensemble, parce que c'est quelque chose qui touche la presse, n'en parle pas beaucoup, moi j'en parle et je trouve que c'est une affaire qui, disons, est un petit peu compliquée, embêtante pour les journalistes eux-mêmes, pour la presse elle-même, mais qui devrait fixer, à mon avis, quand même, les règles du jeu. Moi, sur cette affaire, je constate, alors c'est pas pour reprendre les mots d'Éric Jalton, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu deux décisions contre Guadeloupe Première, et ils n'en ont pas fait état du tout. Il y a une décision qui tombe en faveur de Guadeloupe Première, et là, qu'on appelle l'objectivité de la presse. C'est ce qu'on voit. Bon, je trouve ça un peu gros quand même. Mais alors, juste un mot là-dessus, on passe à autre chose. Qui va gagner? Moi, je crois que dans le droit, là c'est balle au centre. Qui dira le droit? Là c'est balle au centre. Oui. Et on repart à zéro. On repart à zéro. En fait, si vous voulez, sans vouloir donner d'être trop savant au niveau juridique, ce qui s'est passé, c'est que les trois magistrats qui ont rendu la dernière décision ont estimé qu'il fallait, instruire l'affaire sous l'angle de la loi contre la loi sur la liberté de la presse, hein, l'article 64. Donc c'est pour cela qu'ils disent bon, Jalton a signé sous l'angle de la comment dirais-je du trouble, du trouble public, parce qu'on est à moins d'un mois des élections municipales et bon, le juge des référés lui a donné raison là-dessus. En appel sur l'exécution de la décision, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a dit ben, il n'y a aucune raison de suspendre la décision, l'exécution de la décision. Je trouve que là où les avocats de Jalton ont fait une erreur, c'est qu'il fallait refuser, à mon avis, de plaider sur le fond. Ouais. Comme ça, l'exécution aurait été, obligatoire. Maintenant, il faudra que Jalton, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit, hein, j'ai vu son communiqué, il va réintroduire une action sous l'angle maintenant des délits de presse. Tout à fait. Alors, on parlait avec Gilbert Pesmaï un petit peu de la situation à quelques semaines des élections. On va se mouiller un peu. Moi, je suis déjà trempé. Trempé, bon, quand on dit en créole, ou j'ai à mouiller, ou fumer, pisser. Alors, on va prendre les grandes villes. Pointe-à-Pitre va changer, oui ou non, Gilbert? Bon, moi, si je regarde les résultats des élections de 2008, j'observe simplement que la somme des voix de l'opposition à Pointe-à-Pitre était supérieure aux voix de Jacques Bangou, qui avec Bridon, avec semble-t-il, avec 3700 voix. Avec Bridon, voilà. À l'époque. À l'époque, Bridon était en face. Oui. C'était sans Georges Bridon. Oui. Alors, je dis simplement qu'il faut attendre aujourd'hui. C'est une situation qui risque d'être serrée à Pointe-à-Pitre comme d'habitude. Il y a en face, je crois que c'est Durimel, Barfleur et Jacques Bangou. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication précise qui dirait que Jacques Bangou serait en grande difficulté. Mais disons simplement qu'on va vers un deuxième tour et on va vers une élection à Pointe-à-Pitre qui va se jouer en deux tours. Et puis, il faudrait regarder surtout, ce sera peut-être un premier test, quel est Harry Durimel, me semble-t-il, avait fait 1400 voix à peu près en 2008. Je crois que Barfleur tournait aux alentours de 200 voix. Vous regardez, 200, 300, je veux dire, à une centaine de voix près. Hein? Non, je ne parlerai pas de petits candidats. Il faudra regarder, est-ce que ces candidats ont progressé depuis 2008? Quel est leur ancrage? Est-ce qu'ils ont travaillé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont progressé? Il faudra voir, est-ce que Jacques Bangou n'a pas réussi, à travers ses responsabilités, à travers ses réalisations, à inverser la tendance et à récupérer un certain nombre d'électeurs.
Sur Bangou, vous êtes d'accord avec son analyse? La difficulté dans cette ville de Pointe-à-Pitre, c'est qu'on a l'impression que l'équipe en place est indéboulonnable pour moult raisons. En réalité, je ne suis pas sûr que les partis d'opposition aient pris la campagne par le bon bout. Moi, je trouve que la liste de Durimel ne fait pas grand bruit. J'entends, c'est vrai, parler de Barfleur, mais pas tellement Durimel. Et pour l'instant, l'initiative, c'est surtout... Premier ou deuxième tour, à votre avis? À mon avis, il y aura quand même deux. Deuxième tour. Il y aura quand même deux. Alors, on va dans la capitale, Bastère. Chevry en difficulté ou Chevry passe où la main? Moi, je n'ai pas le sentiment que le CPG Chevry soit en difficulté à Bastère. Ouais. Très, très sincèrement. Malgré Marie-Louise Manchard. Deux tours. Malgré Marie-Louise Manchard. Deux tours, certainement, mais je n'ai pas le sentiment qu'il soit en difficulté. Atala? Moi, j'ai l'impression que les choses sont peut-être plus serrées que ça. C'est mon avis. Je ne dis pas qu'elle sera battue, mais il faudra quand même batailler ferme pour deux raisons. En cas de deuxième tour, je vois mal Guy Georges s'allier à Lucette Michaud-Chevry. Il ira vers Atala. Voilà, et je vois mal Atala, s'il était troisième, s'allier avec Michaud-Chevry. Oui. Donc il y a quand même, c'est quand même tous contre Michaud-Chevry, sauf peut-être Aizelin qui lui ne donne jamais de consigne de vote. De vraies consignes. Mais ne pas donner de consigne de vote, c'est quand même pour Lucette Michaud-Chevry. Bastère, c'est une situation habituelle. Je crois tous contre Chevry. Je crois que depuis, même lors des dernières municipales, c'était aussi tous contre Chevry. Ce qui change aujourd'hui, c'est peut-être la personnalité de l'adversaire d'Atala, qui a quand même pris de l'étoffe, qui a quand même réussi, qui est une personnalité qui est ancrée à Bastère. Je crois une personnalité moins que Guy Georges, quand même. Moins que Guy Georges, mais il faut regarder la machine qui est à la disposition. Voilà. La machine électorale à la disposition. Guy Georges a une plus grande antériorité. Oui. Guy Georges a une plus grande antériorité. Il a été maire. Il a été maire. Mais la machine électorale, c'est quand même celle du PS. Lurel. Écoutez, moi, je pense très sincèrement que cette élection est la plus symbolique au plan... Du rapport gauche-droite, c'est ça? Oui. Je veux dire qu'à la limite, les candidats Lurel pourraient perdre partout. S'ils gagnent Bastère, il aura gagné les élections. Alors, dernier point qu'on mais là, c'est vraiment, on va en province, on va dire. Malo a 8 candidats contre lui. C'est plutôt une bonne chose pour lui, à mon avis. C'est très divisé, oui. Oui, oui, moi, à mon avis, c'est une très bonne chose pour Jean-Claude Malo. Oui. Il n'est pas en difficulté, très sincèrement. Il y aura un deuxième tour parce qu'il y a 9 candidats. Oui. Mais bon, Malo n'est pas en difficulté. D'abord parce qu'il n'est pas sûr que les 9 se réunissent tous. Oui. Donc il pourra toujours prendre quelques-uns parmi les 9. Et donc, à mon avis, il n'est pas en difficulté. Là, au Lamantin, est-ce qu'on peut dire que Toribio sera en difficulté? Alors, juste avant le coup d'éclat de... Madame Julliard, je disais que José Toribio avait une avance sur Sapotille. Ce qu'a fait Madame Julliard a quand même jeté le trouble dans son électorat et dans son personnel politique, parce que beaucoup de gens de sa liste n'ont pas compris que puisque renonçant et ne pouvant pas être candidate, qu'elle ait désigné son mari qui n'avait jamais jusqu'ici fait de la politique. Et une partie du personnel donc de Madame Julliard est allée retrouver Monsieur Sapotille. Oui. Et ça, je ne sais pas... Ça va changer la donne ? Je ne sais pas si ça peut changer la donne, mais c'est un élément important. Moi, je voudrais faire juste un petit rappel. Au lendemain des dernières cantonales, une partie de l'équipe Julliard était déjà partie avec Jocelyn Sapotille. Mais là, c'est plus. Ils n'ont pas attendu cette désignation. En plus,
il y a eu cette désignation. Elle a annoncé très clairement que je mettrai mon mari. Et si nous sommes élus, je serai la directrice de cabinet quand je vais diriger la ville. Ça, il faut le faire. Oui. Elle est extraordinaire, d'ailleurs. Et donc, et c'est vrai qu'il y a une partie... elle a perdu encore d'autres membres. Mais il y en a qui sont partis. Oui. Il y en a qui sont partis avec Justin Sapoti. Mmh. Mais il y en a aussi qui se sont tournés vers José Dorilio. Beaucoup moins. Il faut qu'on soit clair. Beaucoup moins, certainement. Mais je veux dire qu'il y en a une partie. Maintenant... quelles sont les chances de chacun? Moi, je dis pour l'instant, deuxième tour, balle au centre deuxième tour. Deuxième tour. Et je crois qu'il faudra alors, voir quelle sera la capacité. Battre un maire en place, c'est toujours difficile. Maintenant, la balle est dans le camp de Jocelyn Sapoti, qui est l'opposant. Ce sera dans sa capacité à rassembler sur son nom deuxième tour, en ne faisant pas, comme pour les municipales, en ayant une stratégie qui soit vraiment une stratégie politique, en tout cas, au Lamantin, en proposant une alternative sans compromission. Bon, alors, c'est dernier, la fois là, ça. C'est une dernière question, c'est pas sur un candidat. En regardant un peu l'ensemble des listes, je vois marquer qu'il y a une seule liste qui se réclame vraiment de la droite. C'est Lucette Michaud-Chevry. Tout le reste, c'est sans étiquette. C'est tout à son honneur, etc. Est-ce que la droite a disparu en Guadeloupe? C'est la dernière question. Alors, moi, je vais dire quelque chose. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Et moi, ça me désespère quand même de voir la droite, même au niveau national d'ailleurs, hein, parce que le Parti Socialiste n'est pas au mieux, mais la droite est dans un tourment extraordinaire. En France, l'affaire Copé. Mais est-ce que ça a des effets sur la Guadeloupe? Non, ces choses-là n'ont pas d'effet sur la Guadeloupe, mais la Guadeloupe a son propre problème, la droite a son propre problème au niveau local. Ça n'a pas attendu l'affaire Copé ni l'affaire Buisson pour que la droite soit en déconfiture. Hein. C'est des déchirements qui durent depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est quand même embêtant de voir qu'aujourd'hui, la gauche est obligée de trouver sa propre position à gauche. C'est pas très, très bon pour la démocratie. Je voudrais dire que c'est une situation qui existe déjà. Moi, je me rappelle, il y a de cela quelques années, la droite était au pouvoir, la gauche était inexistante. Ça n'a pas posé de problème. La gauche est revenue par la suite, la droite reviendra. Le problème qui se pose chez nous, c'est justement sur le plan pratique, la gestion de cette démocratie-là. Vous voyez que dans les partis, dès qu'on n'est pas d'accord, on monte son parti. On fait son parti, on monte son groupe. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de multiplication de petits partis, toujours dans le même secteur. À droite, on peut les compter. À gauche aussi, on peut les compter, le nombre de petits partis. Et c'est ça qui crée le trouble. Oui. Aujourd'hui, comme Lucette Michaud-Chevry, comme le disait Pierre-Édouard, se réclame de la droite pure et dure. C'est tout à son honneur. Mais je rappelais tout à l'heure que beaucoup de candidats tête de liste sont sans étiquette. C'est peut-être le fait de cette campagne. Bien. Oui, mais alors à ce moment-là, je vous signale qu'on peut écrire sans étiquette de manière. On peut mettre 100 devant. Avec un S à la étiquette. Non, mais c'est ENT. Mais on peut mettre une étiquette. On étiquette dans l'étiquette là. Merci, messieurs. On se retrouve probablement, bien, comme d'habitude, la semaine prochaine. Et puis au soir du 23, c'est ça? 23. On fera un petit peu le bilan, voir un peu si vous avez eu raison. On a noté ce que vous avez dit pour Bastère, pour Lamantin. Mais on n'a pas parlé de Goyave. Goyave est très, très, très... Goyave en difficulté. Très hein, en difficulté. Lui, moi, lui je vous dis, à Goyave, hein, à mon avis... Saint-Ville risque de faire bouger les lignes. Oui. Bon, on n'a pas parlé de Paul lui non plus. Mais Paul lui c'est vierge, parce que bon, la place est nette maintenant. Bon, on est en train d'intégrer le maire de Paul lui au moment où nous parlons. Bon, messieurs, je vous remercie. À la semaine prochaine. On se retrouve pour une autre émission. Deuxième partie tout de suite. Retour sur le plateau de C'est dans la presse, C'est dans la culture. On va parler de cinéma tout à l'heure avec Naïla qui est déjà là. Mais on va parler surtout de sculpture avec M. Serge Jacré. Bonjour. Alors, je vais le dire, Serge Jacré, c'est mon ambassadeur qu'on est depuis 20 ans. Et plus que 20 ans même. Et en fait, ils savent que vous êtes comme un yébois là. Oui. Qu'est-ce que vous dans ça? Comment? Qu'est-ce que vous dans ça? Eh bien, c'était nos messieurs qui étaient messieurs, lui, en fait, ça fait son bouquet qu'on est, qui est déjà mort. Et puis c'est là que j'ai fait sculpture, alors ça intéressait moins. Et moi, même en petit monde, j'ai fait dessin. Ouais. Et ça fait qu'on a commencé à travailler bois. On savait que nous avons fait carbone, nous avons fait tout
petit activité culturelle comme ça. Alors ça, ça permet moi de faire ça. Et un jour, on décide, l'empigran dit bon, en calant c'est moi. Mais ça, on t'a fait, on t'a regardé à casa, on t'a exposé. Non, on t'a regardé. Mais premier travail qu'on fait, et on t'a conseillé, on le monde fait ça, même pour tout le monde, c'est prendre Écosse à Moubé et travailler. Ouais. Ah bon, il est facile à travailler? Son but est facile à travailler. Ou que couper, ou, ouais. Oui, mais quand même, ou quand il fait formidable. Alors justement, tu avais posé une question là, qui boit au travail avec qui boit au travail? En cas de travail, mahogany avec cajou. Seulement? Oui. Pourquoi c'est des bois là, ça? Pourquoi c'est mahogany et cajou? Eh bien, c'est des bois qui sont très faciles à travailler. Par exemple, mahogany là, tu bois plus raide, mais ou quand travaille mieux. Et tandis que cajou là est un peu plus molle, donc il est plus délicat. Alors, vous créez exposition là, on va faire, c'est que du 10 au 22, c'est qu'à Nessouta, vous créez nom mahogany. Explication. Oui, c'est. Il faut dire que c'est fille à moi qui bat l'idée là. Ah. Et mahogany, pourquoi? Parce que bon, c'est son bois qui est très précieux. Ouais. Et son bois qui est noble, comme on va dire. Qui est noble. Ouais. Oui, c'est surtout ça. Nom, c'est l'esprit en nous aussi. Ouais. Alors, ça qui est fait en histoire, alors combien sculptures vous pouvez présenter? Eh bien, là, il y a une trentaine. Quand même, tout ça, quand même. Oui. Une trentaine de sculptures, c'est combien d'années de travail? Eh bien, entre une telle sculpture, ça, on peut faire ça en 2 ans, on peut faire ça en 3 ans. Ouais. Oui. Alors, quand est là au point ballon, ça veut dire que régulièrement, on peut faire du travail, faire d'autres bitins, parce qu'en vrai, ça, on va faire, ou j'ai fait un bitin déjà qui a à Fondalcala au canal. Ça veut dire que quand est là, on peut rouler. On toujours travaille bois, toujours, on pas gens arrêté à aucun moment pour dire on a décidé de faire ça. Chaque fois, moi, là, quand je travaille, on peut garder où. Ouais. On peut garder madame, on peut garder où. Et on peut dire, tiens, mais au monde, ben fait. Ouais. Pas plus. Et quoi, ça, c'est à partir de nom et de nom que voilà, vous travaillez. Voilà, qui, ouais. Madame qui est ici, c'est comme ça. Ouais. Et toutes ces sculptures-là qu'on fait là, on avait dit, c'est des bidets, on va dire, figuratifs et représentatifs. Oui, voilà. Pour qu'on fait dans l'abstrait. Non, en fait, on a fait du bon abstrait. Ouais. On a fait un lot, mais on a fait. Ouais. Oui. Et alors, dernière question que vous avez avant de passer par le cinéma, oui. Ces sculptures-là, nous couvrons là, à Nessouta, vous avez avant? Oui, vous avez avant. Vous avez avant? Oui. Bon. Ça vous fait cher en sculpture en général? Ni ça qui a une des prix très abordables, ni d'autres petits points plus chers, mais enfin, jusqu'à. Bon, pas tellement. Et pour question à bois là, est-ce que. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas protégé Fouré Guadeloupe, est-ce qu'il y a une facilité à trouver bois pour travailler? Oui, quand même, oui. Ni des gens qui ont fait des bûcherons qui ont coupé bois pour le monde et qui ont proposé moins, qui ont vendu moins ou alors qui ont récupéré aussi. Ouais. Si on voit un peu de bois coupé en côté, on a dit tiens, ben, est-ce qu'on peut vendre moins? Il a vendu moins. D'accord, donc on vient d'aller. Merci, Serge. Alors, Naïla, on vous retrouve comme chaque semaine pour la chronique cinéma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine? Alors, cette semaine, il y a un coup de cœur au Rex, lundi. Lundi et mardi, comme d'habitude, à 19h. Et ce film s'appelle Cristo Rey. Donc, c'est un film qui est réalisé par une Dominicaine de 40 ans qui se prénomme Laetitia Tonos, qui n'est pas très connue dans le monde du cinéma, qui a son deuxième film, tout en sachant que le premier, elle a quand même reçu un prix du Festival de films latino à Chicago. Et ce film retrace l'histoire de deux jeunes de nationalités différentes, Saint-Domingue et Haïti. Ah bon, mais c'est un film très actuel. Alors. Un film dans l'actualité, un film on pourrait comparer à Roméo et Juliette. Oui, à la mode Caraïbe. À la mode Caraïbe, effectivement. Oui. Un amour impossible. Et effectivement, c'est vraiment comme impossible on dit, pour des raisons ethniques, de couleur de peau, politique ou. Ben, tout est mélangé. Donc, dans ce film, effectivement, on revoit tout ce qui est racisme, corruption, guerre des gangs. C'est vraiment l'actualité que vit actuellement entre Haïti et Saint-Domingue, ce qui se passe. Le film, on va dire que ça montre un peu la réalité. En même temps, ça ressemble à une carte postale. Oui. On montre la beauté de Saint-Domingue. Mais c'est un film qu'il faut voir. Je pose quand même la question, c'est un film caribéen ou c'est un film américain? C'est un film caribéen, c'est un film de Saint-Domingue. Hein. Oui. C'est un film de Saint-Domingue, ça n'a rien à voir avec les films américains. Elle est de Saint-Domingue, elle revendique en plus
ce droit à sa nation. Elle se bat pour le cinéma dans ce domaine. Mmh. En plus, elle est une des premières femmes de Saint-Domingue à faire de longs métrages. Ouais. Donc, effectivement, elle a encore... Ça vaut le déplacement ? Ça vaut le déplacement. Si on devait donner des étoiles, vous donneriez combien d'étoiles ? Je donnerais 3 étoiles. 3 étoiles, sur 5. Sur 5, bon, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Je veux dire que pour un premier film, il faut encourager. Ouais. C'est vrai qu'il faut lui donner la force. Ouais. Deuxième film ? Alors là, c'est mon petit coup de cœur. Perso, parce que je crois que Orex 1 aujourd'hui sortira un film d'action américain. Oui, un blockbuster comme la vie. Un thriller aérien, mais avec un acteur fétiche, un acteur que beaucoup de gens ont l'habitude de voir dans Tekken, Agence Touriste, Sans Identité, donc effectivement Liam Neeson, qui est un Irlandais qui n'a pas longtemps eu la nationalité américaine. En 2009, donc qui a la double nationalité. Donc, c'est un film réalisé par John Colley Serra, qui est d'origine espagnole, qui a 39 ans. Donc, on est dans la série des réalisateurs très jeunes. Oui. La première, elle avait 40, lui, il en a 39, qui n'est pas son premier essai. Je parle des fanatiques de films d'horreur qui ont aimé Esther. C'est lui qui a réalisé, ainsi que La Maison de Cire. Je crois que c'est des films qui ont beaucoup marqué. Il revient dans une deuxième réalisation avec Liam Neeson, parce qu'il avait aussi fait Sans Identité avec lui. Alors, j'ai envie de vous poser une question d'actualité. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler. Il y a eu cette semaine présentation des Oscars aux États-Unis et en France aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Alors, ce qui m'a plu, alors, il n'y a pas longtemps, on est venu, on a fait l'apogée de 12 Years a Slave. Et ils ont reçu un Oscar. Qui a tout raflé, là. Ils ont tout raflé. Ouais. Et c'est la première fois... Deux mots sur ce film, quand même, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu. Pour un petit rappel, c'est un esclave. Bon, enfin, il n'est pas esclave. C'est-à-dire qu'il est affranchi dans un État et qu'il se retrouve kidnappé et emmené dans le Sud en tant qu'esclave. Et il va vivre 12 ans. Ouais. Comme 12 esclave. Ans comme esclave. Il passe de la liberté à l'esclavage. De la liberté à l'esclavage. Ouais. C'est... Et c'est un film où sa partenaire prendra le deuxième meilleure actrice. Et lui, il n'a pas pris meilleur acteur, malheureusement. Mais le film a pris l'Oscar du meilleur film. Ouais. Et c'est la première fois qu'on consacre un film sur l'esclavage. Donc, c'est vraiment un pas en avant où on dit qu'on commence à prendre en considération ce crime contre l'humanité. Surtout qu'on parle de réparation en ce moment. Et surtout qu'on parle de réparation. Donc c'est un film à voir aussi. C'est un film qui est à voir, mais il est... C'est 5. De toute façon, il n'y a même pas à réfléchir. Oui. Pour qu'on ait le courage et l'audace de faire un film sur la condition de l'esclave et montrer l'esclave meurtri dans sa chair. C'est un film très dur. C'est très dur à voir, mais je crois qu'il a voulu montrer cette facette qu'on essaie d'éviter dans beaucoup de films d'esclaves. Bien entendu... la majorité des films, tous les blancs sont méchants, sauf un, ouais. Le sauveur, et au passant qui est le réalisateur, Brad Pitt, faut pas l'oublier. Donc automatiquement, effectivement, il a le bon rôle dans le film. Mais en gros, quand on regarde ce film, effectivement, moi je sais que je n'ai pas eu... En le regardant, on a quand même cette sensation d'injustice. Et en ressentant du film, on se dit c'est bien qu'il l'ait fait, parce qu'au moins... dans le monde, on voit ce que c'est que l'esclavage dans toute sa cruauté. 12 Years a Slave. Alors, rapidement, puisqu'on va terminer le programme de la semaine. Alors, le programme, alors, bien entendu, Orex 1 non-stop. Alors, comme on dit, un thriller aérien, on va passer plus d'une heure et demie dans un avion, ça ne change pas. Mais franchement, tout y est, meurtre, suspense, atmosphère oppressante... Franchement, on passe un super bon moment. On attache sa ceinture, on se laisse glisser. Orex 2, on a Christo Rey, lundi et mardi. Ensuite, il y aura Tarzan, film d'animation. Orex 3, Crocodile de Bosranga. Orex 4, il y aura les trois frères. Comment on les appelle ? Je ne me rappelle plus comment ils étaient cités. Il y a Pascal Légitimus. Ah oui, c'était les comiques. Les inconnus. Tout à fait. On les retrouve à nouveau. Oui. Et en contrepartie, il y a des jours où il y aura Destination Love. D'accord. Donc cette semaine au Rex, il y a de tout. Ouais. Il y a du bon. Il y a du moins bon. D'accord. Il y a pour tous les goûts. Ah ben on vous retrouve la semaine prochaine.
À la vous semaine avez tout prochaine. Dit cette fois-ci. Oui, oui, ça a été dit. Il n'y a d'accord. pas de souci. Ben vous, à toi, la semaine prochaine, Naïla. Alors, je reviens vers Serge Jacquet. C'est le 10, oui. Donc 10 au 22 mars, Saint-Rémy-Nessouta. Ouais. 30 œuvres. Oui, 31 œuvres. 31 œuvres. Donc, qui seront à vendre. Et c'est une sculpture du bois. Alors, le mahogany, parce que c'est important. Quelqu'un achète une sculpture mahogany. Quel entretien, quelle maintenance pour cette sculpture? Parce que nous allons au pays tropical, nous au pays à humidité. Est-ce que vous allez faire mal quand? Non, parce que moi-même, j'ai des œuvres qui sont moi-même. Et ça a fait au moins, disons, plus de 20 ans, là, il est temps. Il n'a pas bougé. Il est temps qu'il n'a pas bougé. Seul qui a fait, c'est bailler un coup de cire de temps en temps. Ah, encore bailler un coup de cire? Oui, oui, il a bailler un coup de cire, ouais. Juste pour illustrer, pour bailler un valet. Vous voyez, oui. Ouais. Et vous retrouvez au lot comme ça, c'est ça. C'est ce que tu l'as fait là. Est-ce que vous avez verni ou peinture, mais vous êtes naturel? Pas ni verni, vous naturel. Seul qui a fait, si on voulait, vous avez ciré. Ah, vous avez ciré? Oui, si vous avez ciré pour pour dater. Oui, pour bailler une force, pour bailler une bonne image. Alors, nous avons demandé, vous dites allez là, il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans, vous avez coupé, enfin, vous avez sculpté. Est-ce qu'à dans l'exposition qu'on a fait là, il y a des vieux travaux oui, qu'on fait? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Qui j'en qui vois évolution là. Là, on regarde entre ça, on fait ni 20 ans et jeudi jour. Est-ce que vous suivez pente ou bien est-ce que vous restez même bien là? On m'a évolué un peu. Ouais. On m'a évolué. Ouais. Si vous voulez. Il y a bien qu'à influencer vous. Il y a bien qu'à influencer vous. Non, pas tellement. Non, les buts pas tellement influencés. Oui. Non, ouais. Non, car. Alors, il a vraiment relâché aussi. Une dernière question là. Est-ce que là, on a fait bois ou peut travailler sur d'autres matériaux après? Parce qu'on a par exemple, on peut convivre à ce qu'a fait peinture, mais il a fait sculpture aussi, Saint-Sidi aussi, on peut faire habiter à conquête en fait. Est-ce que depuis comme ça, on joue, peut travailler d'autres matériels? Oui, on joue parce qu'à mon avis, l'idée, c'est de travailler wash. Ah, wash fait? Wash. Ouais. Wash à nous, wash. Ouais. Ouais. Ça, c'est notre ouais, décadement, oui, ça. Oui, c'est projet, moi. C'est projet. Après, moi, là, on va passer à si wash. Oui, on va aussi wash. Ah, ben, c'est en laisser moi, là. On va laisser moi, là. C'est Jacqueline, quoi dire. Merci, merci, oui. Naïla. Donc, je rappelle, du 10 au 22 mars, de 10 à 18 heures, c'est à Rémy-Nessouta, c'est Nom Mahogany. J'entends, c'est du bon bois. Bah, il faut ça, une way. Et Naïla, un film, s'il fallait voir un seul film cette semaine. Non-stop. Voilà, je le savais. En tout cas, moi, je dirais Christo Rey parce que ça m'intéresse plus directement, parce que c'est caribéen. Après parce que une c'est semaine éprouvant de boulot, sincèrement, ouais. C'est vrai. Non-stop, je pense que. Ouais. C'est pour relâcher un petit peu. Relâcher la pression. D'accord. Bien, ben, on vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre C'est dans la presse. S'ils ont raté, ben, savent qu'il a diffusé dimanche à partir de 2h30. Sinon, c'est sur le site Caribe Creole News, www.caribecreolenews.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. C'est dans la presse. Ben, nous toujours là. Salut. Nous sommes à 3 semaines des élections municipales et bien évidemment, ben, on va parler politique aujourd'hui. On va essayer de faire un tour d'horizon des maires qui vont être élus ou réélus ou pas élus du tout. C'est le 64e numéro de C'est dans la presse. Cet après-midi, avec moi, un éditorialiste, un observateur attentif de la
situation politique guadeloupéenne, un analyste même, on va dire. Gilbert Pesmaï, bonsoir. Bonsoir. On recevra aussi Pierre-Édouard Picor et M. Duncal. Dans la deuxième partie de l'émission, ben, on parlera cinéma avec Nadine qui sera là tout à l'heure. Et puis Serge Jacquet, un artiste qui se découvre et qui parlera de son expo de sculpture. Alors, je disais tout à l'heure, Gilbert Pesmaï, nous sommes à quelques semaines des élections municipales et communautaires, il faut le dire. Et on a l'impression quand même qu'il y a eu des difficultés à faire les listes. Il y a eu des difficultés parce que la donne a changé. C'est la parité totale maintenant. Il faut respecter un certain nombre de règles. Donc nous avons eu l'occasion de le dire ici même, qu'il n'y avait plus de place pour les candidats farfelus, qu'il fallait être organisé, fallait être porteur d'un message, d'un projet pour venir aux élections. D'ailleurs, on l'a vu avec cette baisse sensible de la participation. 116 listes, on attendait un peu plus. On attendait un peu plus et pas autant de femmes en tout cas. Pas autant de femmes, mais c'est peut-être une bonne chose. Je rappelle simplement, si j'ai bonne mémoire, je dis pas beaucoup de femmes, mais en même temps, il y a quand même une vingtaine de listes conduites par des femmes. Oui. C'est quand même une bonne chose quand on regarde ce qu'on avait l'habitude de voir. On devrait s'attendre à un peu plus, on aurait pu s'attendre à un peu plus, mais je trouve qu'une vingtaine de femmes, tête de liste, bon, vous allez me dire, c'est sûr, quand même 116 têtes de liste, bon, mais ça viendra par la suite. Alors, l'autre interrogation, ça va être un petit peu le rôle des maires dans cette nouvelle configuration. Quand on lit un peu des textes, on a le sentiment que le maire aujourd'hui soit moins important que le président de la communauté d'Agglo. Certainement, parce que toutes les grandes décisions en matière de développement économique, en matière d'aménagement du territoire, ce sont des compétences qui vont être transférées ou qui sont transférées à la communauté d'agglomération. Il va falloir gérer un conseil municipal avec deux types d'élus, des élus qui auront la vision communautaire et des élus qui seront de simples conseillers municipaux. Il faudra faire avec. Mais on avait le sentiment qu'il y aura quelquefois quelques petites empoignades à l'intérieur même des conseils, des deux conseils, puisqu'en fait il y aura deux conseils. Alors il y a une donne qui n'a pas été prise en compte, c'est qu'on parle souvent de la composition de la communauté d'agglomération, du conseil, en tout cas avec l'arrivée de l'opposition au sein de la communauté, des différentes communautés d'agglomération, les marges de manœuvre seront moins simples, plus difficiles pour les majorités en place, et que l'opposition risque de peser réellement dans les communautés d'agglomération, les oppositions des maires en place, les oppositions dans les différentes communes. Imaginez-vous par exemple, je vais prendre un exemple sur Cap Excellence, si la ville des Abîmes, je crois qu'elle a droit à 25 sièges par exemple, si l'opposition en a 10, imaginez-vous qu'à Bemao l'opposition réussit à avoir 2, 3, voire 4 sièges à Pointe-à-Pitre, autant comme la dernière fois, ça fait quand même une opposition conséquente au sein même de la communauté d'agglomération, surtout si au sein même des différentes majorités, il n'y a pas une unité, une certaine unité. Donc c'est la place que prendra les différentes oppositions dans ces assemblées. Ce sera intéressant à voir pour la suite quel sera le comportement, comment seront gérées les communautés d'agglomération. Alors c'est vrai que nécessairement il y aura une perte de pouvoir, une perte d'influence pour les maires, mais cela dit, quand on a des conseillers en place, quand on a un conseil municipal qui est très fort, quand on a un maire qui a de la poigne, eh bien on peut encore gérer cela. Alors tout à l'heure, on fera peut-être un petit parcours sur les maires, qui va gagner, qui ne va pas gagner, mais aussi on va un petit peu parler de la France. Mais je voulais, avant ça, vous poser la question. Vous êtes un analyste politique, vous suivez depuis longtemps le fait politique guadeloupéen en tant que journaliste politique. Est-ce que vous avez le sentiment que cette élection, elle est très idéologique? Je ne sais pas. Très politique, on va dire. Non, j'avoue très sincèrement, une élection municipale en Guadeloupe, j'observe, je crois que j'ai déjà fait quelques campagnes ici. Je ne sais pas si c'est une histoire d'homme, vraiment, si ce n'est pas une histoire d'homme, de projet, de charisme, d'équation personnelle.
plus qu'une volonté politique, une idéologie. Quand on regarde le paysage, moi je regardais un petit peu les différentes listes hein, qui ont été déposées, vous verrez qu'il y a beaucoup de listes, par exemple, où les maires ou les têtes de liste, en tout cas, n'ont pas d'étiquette. Ils sont estampillés ni à gauche ni à droite. Ils sont sans étiquette. Et vous verrez qu'à l'intérieur, même dans la composition des listes, on trouve des hommes de droite, du centre, de l'extrême gauche, de la gauche. On trouve un peu tout le monde. Je crois qu'il y a une particularité lors des élections municipales. L'élection municipale, par définition, c'est une élection de proximité. C'est un échange entre membres de la même commune, entre populations d'une même commune, donc pour prendre et pour diriger la commune. Je crois que c'est une élection qui passe au-dessus, en tout cas, des problèmes idéologiques. Ça signifie que le sans-étiquette devient un parti maintenant en Guadeloupe, le parti des sans-étiquettes, le PSE. Non, je n'irai pas jusque-là, mais je veux dire aussi qu'il y a aussi une décrédibilisation des partis politiques, des organisations politiques, on l'a vu hein, depuis plusieurs années, et que peut-être qu'il y a une partie de ces candidats qui ne se retrouvent pas dans les politiques proposées, en tout cas dans les projets proposés à droite et dans les projets proposés à gauche, dans les différentes factions, en tout cas, de la gauche guadeloupéenne. La semaine dernière, Monsieur Tacita était ici, il nous disait que 67% des Guadeloupéens allaient pouvoir participer à cette élection, ce qui est assez important. Mais on est à 2 ou 3 semaines maintenant des élections. Pensez que c'est que l'abstention peut être encore non, à mon avis, pour l'élection municipale, il y aura un bon taux de participation. Je ne sais pas s'il y aura 67% de participation, mais comme d'habitude, je crois qu'on va se mobiliser dans les communes parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu communal. Et qu'à ce moment-là, il y a une très forte mobilisation. Je rappelle simplement que dans les communes, nous sommes en campagne depuis maintenant plus d'une année. Hein. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, le vote communautaire, est-ce que le Guadeloupéen lambda, le Guadeloupéen de tous les jours, moun ka gade nou, ka tan l'élection, il faut comprendre réellement conseil communautaire, conseil municipal, c'est des petits différents. Est-ce que ce message-là est bien passé? Il y a eu un effort de pédagogie hein, qui a été fait par les médias, notamment pour expliquer quelle était la différence entre un conseil municipal et un conseil communautaire, pour expliquer les compétences des communautés d'agglomération, les pouvoirs. Il y a eu un vrai travail pédagogique qui a été fait. Moi, je pense que l'information est passée. Maintenant, est-ce que lors du vote, on prendra en compte l'arrivée de la communauté d'agglomération et cette nouvelle dimension? Oui, et cette nouvelle, parce que ça va changer le quotidien. Cette nouvelle donne politique, je ne suis pas sûr, parce que j'ai surtout le sentiment que quand on est dans sa commune, on regarde quel sera le meilleur, qui va être capable de diriger la commune, qui va répondre aux aspirations, qui va répondre à notre quotidien. Quand, si on prend le temps de regarder un programme, il y a des préoccupations dans une commune qui sont essentielles. Hein, je veux dire, à quel moment la poubelle sera ramassée, est-ce qu'on trouve des services, est-ce qu'on trouve des équipements, une crèche, par exemple, des équipements de proximité maternelles. Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que tout fonctionne correctement? Est-ce que l'éclairage public est bien réalisé? Fonctionne correctement? On regarde tout cela. Donc, je crois que... voilà. Oui, mais est-ce que ça a tendance à dépolitiser un petit peu l'élection ou au contraire à rendre l'élection, de façon que vous disiez tout à l'heure, une élection uniquement de proximité, c'est-à-dire que l'aspect politique devient second plan? Non, l'aspect politique existe aussi, mais l'aspect politique est porté par le charisme de la tête de liste. C'est un peu ce que j'ai envie de dire, parce que je ne sais pas, moi, est-ce que tous les gens qui vont voter aux abîmes Jalton sont des socialistes? Est-ce que les gens qui vont voter Jacques Bangou à Pointe-à-Pitre, par exemple, sont favorables au PPDG? Jacques Bangou ne se présente pas sous l'étiquette PPDG. Est-ce qu'ils sont militants du PPDG? Mais c'est quand même une tête, une figure de proue du PPDG. Voyez-vous, je ne sais pas, est-ce que les gens qui vont voter pour Lucette Michaud-Chevry à Basse-Terre sont tous d'objectif Guadeloupe? Je ne sais pas. Je dis simplement qu'en général, l'aspect politique est intimement lié à la personnalité même de la tête de liste.
Oui. Alors, une dernière question avant de passer en revue ce qui va se passer ici. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse, une fois n'est pas coutume, sur la France. Est-ce que vous avez le sentiment, en écoutant les nouvelles de France, que le Parti socialiste, en tout cas la gauche française, peut réaliser un bon score? Oui, je crois qu'on l'avait dit depuis le début. La gauche connaîtra quelques difficultés sur les villes moyennes, mais je pense que sur les gros bastions, que la gauche. Vous pensez que Marseille peut basculer? Je ne sais pas si Marseille va basculer. Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai regardé. Paris, certainement pas. Paris, certainement pas. Non, oui. Je crois que Paris, certainement reste un bastion pas. Aujourd'hui Paris de la gauche. Bastion bien ancré à gauche. À mon sens, ce sera difficile. Ce ne sera pas simple pour la gauche, mais je pense que la gauche va garder, Paris. Ils vont garder Paris. Ils vont garder des villes comme Lyon, comme Strasbourg. Voilà. Les derniers démêlés de la droite française de l'UMP ne vont pas jouer, ne vont pas peser. Non, la France est habituée à ces démêlés judiciaires de ses hommes politiques. Je crois que ce soit à droite ou à gauche, personne ne peut faire la leçon à personne. Et je crois qu'on est un peu habitué. Ce qui arrive à Sarkozy ou à Juppé, ça ne vous étonne pas? Non, moi je ne suis pas forcément surpris, mais on entendra aussi vraisemblablement du côté de la gauche aussi dans les prochains mois, vraisemblablement il y aura aussi des révélations, il y aura aussi des choses. Je crois qu'on est habitué à ce débat entre le politique et le judiciaire en France. On prend une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de ce débat.